Attention, les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Oui, j'ai entendu quelqu'un à la très QRP, les 73-51 retournés. C'est, j'ai cru comprendre Langon. Mais c'est tout ce qui est passé de mon côté. J'ai une oreille sur le web SDR, je vais essayer d'écouter un peu mieux. Ok, merci pour votre du micro. Bonjour, tu passes ça, c'est le web SDR. Là, je suis en train de faire une petite vidéo. Là, j'ai démarré une petite vidéo. Là, j'arriverai peut-être à mieux te sortir dessus, car j'ai bien sûr remarqué ça. Si. Ouais, j'ai un petit peu de QRM de mon côté, là, 2-5 de QRM. Mais c'est suffisant là pour te passer dessus. C'est bien dommage, car je t'entends parler. Mais de là à comprendre ce que tu dis, non, pas vraiment, quoi. Ok, attends, je vais essayer de jouer sur les filtres. Ouais, vas-y, parle. Ok, je suis en train d'essayer de voir sur quel filtre là j'arrive à mieux t'entendre. Ok, je pense que là ça devrait être mieux. Là je devrais arriver à comprendre ce que tu me dis. Eh bien, bien content de t'entendre aussi, hein. Ouais, j'ai aussi un peu de QRM électrique là de mon côté. Bon, c'est cet après-midi. Non, pas cet après-midi, j'ai pas eu le temps. C'est quand hier, oui, j'écoutais, ça passait nickel. Il n'y avait pas un brin de pas un pet de QRM, c'était nickel propre. Et là, ce soir, ça y est, c'est revenu. Ok, j'ai pas tout compris. Bon, j'ai compris que toi aussi, hein, t'avais du QRM. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu chiant, ça. La fin de ménage, j'ai oublié de passer par là, elle chie trois coups. Ah zut, là, je t'ai pas du tout sorti. Alors, est-ce qu'il y a d'autres stations pour le QSO national du canal 27? Attention, les stations fréquences pour Dundee 33, 14, Delta Romeo 33, 14, Kilomike 3301 qui lance appel pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Ouais, j'ai entendu quelqu'un lancer un paix dans le lointain. Les 73-51, la station de la part de Dundee 33, 14 Delta Romeo 33, 14 Kilomike 3301. Là, qui t'appelle? Ouais, il y a peut-être eu un petit coup de propag, je sais pas. Bon, attention, les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Oui, c'est passé très très QRP de mon côté. Les 73-51, la station de la part de Dundee 33, 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en poste fixe sur Sainte-Colombe.
Ouais, c'était ça. J'ai un petit QRM de mon côté, mais suffisamment fort. J'ai un QRM de 2, hein, pourtant pas plus, hein, de mon côté, mais il est suffisamment fort pour couvrir. Ah, c'est bien dommage. Attention, les stations fréquences pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Est-ce qu'il y a du monde? Bon, alors, pour ceux là qui sont en écoute sur le web SDR, alors, tous ceux qui désirent avoir un indicatif ou tout simplement changer d'indicatif, sur le forum La Planète Sibi Francophone, vous trouverez 14 Delta X-Ray Lima 57, 14 DXL 57, là, qui vous propose un indicatif kilomike. Voilà. Et, donc, vous trouverez ça dans la rubrique, eh bien, Administration, Fédération, Association, Club, sur le forum La Planète Sibi Francophone. Alors, les indicatifs qui donnent se proposent de cette façon, c'est-à-dire pour la France 14, kilomike, le numéro du département plus le numéro progressif. Donc, ce qui donne pour moi 14 kilomike 3301. Voilà. Donc, tous ceux qui recherchent, enfin, qui cherchent à avoir un indicatif ou en changer, voilà, vous avez les infos là directement sur le forum. Et pour ceux qui sont sur le département 28, vous avez un salon, enfin plutôt une bourse TSF à Bonneval, sur le département 28, là, ben demain. Ouais, il m'a semblé entendre quelqu'un appeler, c'est très 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 QRP là de mon côté, les 73-51 la station de la part de Dindy 33, QTH Sud-Ouest, département 33, du côté de, entre Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille. Ah, moins que ce soit un QSO parallèle, mais c'était vraiment trop QRP de mon côté, à peine audible. Hein. CQ local, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en fixe sur le sud-ouest de France, pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Attention, les stations fréquences pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Oui, nous sommes là pour quelque chose sur le web SDR. Nous sommes très fréquentés à la station de la part de Dindy 33, QTH, Sainte-Colombe, à côté de Saint-Émilion. Attention, les stations fréquence pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest.
Attention, les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Oui, je suis toujours là, il n'y a pas de problème. Là, j'attendais un petit peu, là-haut, quand il y aurait du monde qui arriverait. Ok, alors, par contre, moi, je t'entends pas du tout dessus. Hein. Là, c'est, j'ai une oreille quand même dessus. Là, tu verras, là, je suis en train de faire là, une petite vidéo. Et non, là, c'est, là, tu m'arrives direct là sur la station. C'est assez QRP, ça passe mieux que tout à l'heure. Ouais, ouais, ben là, j'ai pourtant, tu vois, là, j'ai l'oreillette, là, qui est enfoncée dans le fond de l'oreille. J'essaie de l'enfoncer plus loin, mais j'arrive pas à chier. Et non, non, effectivement, c'est, tu passes pas. Et vu que là, tu passes quand même un petit peu de mon côté, tu peux me redonner ton QTH? Ben, pourtant, vu où tu es, attends, il y a un truc que je comprends pas, là. Vu ton QTH, tu arrives chez moi et tu passes pas sous voie BSDR. Il y a pas comme, il y a un loup quelque part, là, hachi. Ah, le QRM a remonté un petit peu de mon côté, ou c'est toi qui a, ça a baissé un petit peu, je sais pas. Là, du coup, là, j'ai pas compris, là. Ben oui, je comprends pas justement, c'est Flora qui est plus près de toi que moi de toi. Donc vu ton QTH, tu devrais passer dessus. En plus là, bon, je sais où est l'antenne, bon, c'est ça devrait le faire pourtant. Hein. Ah oui, et puis là, je viens de regarder, il n'y a même pas un filet de... Il n'y a rien qui pourrait montrer que tu es là dessus, quoi. Ben oui. Par contre, là, j'entends parler, là, derrière. Je crois qu'il y a un appel derrière. Je l'entends sur le web SDR. Ok, j'ai compris, c'est sur le, ça doit être sur le 27-280. Ben oui, il y a un QSO là qui est plus haut là sur les SUP. Là, je vois ça là dessus là, et puis bon, c'est tout. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose de particulier à la télé, je sais pas. Hier soir, c'était calme un peu partout, mais bon, après, j'ai compris pourquoi. Hachi, ce soir, je sais pas, j'ai pas regardé le programme de télé. Hein. Est-ce que... Attends, si j'ai compris, ok, tu me demandais s'il y a eu de la propague cet après-midi. En ce moment, je suis en vacances, donc c'est le moment de travailler au QRA. Hachi. Et ce qui fait que du coup, je suis pas trop, voire pas du tout, pas vraiment en fréquence. Donc là, je sais pas s'il y a eu de la propague. Si, il y a quelques petits passages quand même. Je les marque sur le forum justement là. Attends, c'est à quel moment dans l'après-midi de toute façon, non. Ah bah si, non, c'est ce matin que j'ai pas pu écouter. Cet après-midi, bah si, cet après-midi. Ah oui, cet après-midi, tiens, j'ai eu un drôle de truc. Justement, côté propague. Au QRA, j'avais rien du tout.
Je vais, on va à la déchetterie là pour balancer des trucs et tout. J'avais une remorque qui était, ça faisait deux fois la hauteur dedans. Hachi, j'entendais tous le nord de l'Europe, j'entendais tout ça passer là depuis la déchetterie. Je reviens au QRA, plus rien. Quoi. Alors t'inquiète pas, là j'ai compris, il faut déménager pour arriver à attraper quelque chose. Hachi, trois coups. Ouais, c'est ça, c'est des couloirs. Hein. Comme des fois au QRA, je vais entendre des trucs qui passent pas sur le web SDR, vice versa. C'est. Ouais, non, mais c'est ça, c'est clair. Hein. Ah, j'ai pas tout saisi, j'ai compris. Attends, si j'ai bien compris, tu veux remonter l'antenne de 2 mètres. Eh ben, si elle est déjà bien dégagée, ouais, bof, peut-être. Ah oui, c'est sûr. À quelle hauteur elle est, hein? Voilà, 6 mètres. Ouais, bah c'est déjà pas mal. C'est la hauteur que je mets quand je mets mon autre antenne là en expédition là dans la remorque. Et je suis à 6 mètres et ça passe très bien. 6 mètres, c'est 6 mètres. Ouais, si, c'est déjà pas mal quoi. Maintenant, si t'as des bâtiments autour, quelque chose qui risque de cacher le relief, qui risque de cacher un petit peu, ouais, après tout, pourquoi pas. Attends, j'ai pas tout compris. Tu as quelque chose qui te cache justement du côté Bordeaux, c'est ça? Ok, t'as une colline, d'accord. Eh ben, j'ai le même problème, moi, là, ici, au QRA. J'ai une colline, là, qui est en J inversé, là, qui fait le tour de chez moi. Alors, ça part de Saint-Magne de Castillon, ça tourne autour de chez moi pour s'en aller vers Saint-Émilion. Donc, au niveau local, tout ce qui est au nord, à l'est, voire même le sud, eh bien, ça passe pas. Et les stations de la Dordogne, eh bien, s'ils n'ont pas de la puissance, eh bien, c'est négatif, ça passe pas chez moi. Quoi. Alors que tout ce qui est du côté de l'ouest, voire limite sud-ouest, comme toi, eh bien, ça arrive quand même à passer un peu. Et par contre, je vois là Eric, 14-8-27. Bon, lui, il est en HLM. Il est au dernier étage. Ah là, par contre, lui, il arrose partout. Hein. Là, il passe bien chez moi. Ludovic, qui est sur Florac, là où il y a le web SDR, bah, lui aussi, bon, il arrive à passer quand même assez bien. Par contre, Angèle et Philippe, qui eux sont dans le bas. Oui, je crois que c'est ça, du côté de Senon, je crois, dans le bas Senon, par là. Ah ben là, avec tout le coteau de Senon, Florac, tout ça, là par contre, c'est pas la peine, ça passe pas. Ensuite, j'ai entendu Ludovic, mais après, j'ai pas compris la suite. Ah ouais, ouais, c'est à tous les coups, c'est cette foutue colline que tu as là qui là entre toi et Bordeaux là, apparemment qui doit faire écran. Alors ben en espérant qu'avec 2 mètres de plus ça change quelque chose, qui sait après tout. Qu'est-ce que tu as comme antenne, une 5/8, quelque chose comme ça? Ouais, ok, ouais, ben bah, pourtant c'est pas mal ça. Ça marche bien ça.
T'as la vache, là j'ai pas mal de bruit de mon côté, ce qui fait que là j'ai pas tout compris, ouais. Désolé, mais j'espère pouvoir mieux entendre après, là, en regardant la vidéo, mais là, j'ai vraiment énormément de mal à te sortir, là. Pourtant, j'ai un QM qui est pas très fort, là, entre 1 et 2, par là, et mais ça me fait un bruit dans le poste, hachi. J'ai pourtant tous les filtres, là, qui sont enclenchés et tout, là, de mon côté, et ça fait rien, hein, t'as du mal à passer au-dessus, hein. C'est au niveau signal, tu passes au-dessus, il n'y a pas de problème, mais c'est au niveau radio là que ça coince là, de mon côté. Ah oui, peut-être, ouais. Si tu mangeais un peu plus ce micro, peut-être que ça m'aiderait un peu là à te sortir. Ouais, je sens pas vraiment la différence. Ça reste assez QRP de mon côté. Ouais, peut-être, mais c'est ouais, vraiment, j'ai vraiment un chouïa, on va dire, allez, de différence. Ok, ben je vais aussi passer en QRT, là je vais travailler la vidéo là maintenant, histoire de la mettre le plus rapidement possible en ligne. Ok, les bonnes soirées 1351 à toi, merci pour ce petit QSO, et ben à très bientôt d'une façon ou d'une autre. Hachi, 73, merci.